Et donc, professeur d'anglais, j'ai demandé une classe de première bac pro de réaliser lors d'une séquence une tâche finale. Cette tâche finale consistait à faire un super héros, puisque je me présentais en fin de compte comme directrice d'une maison d'édition, ils devaient me vanter leur super héros. Donc lors de cette séquence, on a abordé plusieurs choses, on a mis en place pas mal de vocabulaire. Les élèves sont allés sur un site où ils ont conçu leur super-héros ou leur super-héroïne. J'ai eu quand même pas mal de super-héroïnes parce que j'ai des élèves de sexe féminin. Et ensuite, je leur ai demandé à partir d'une grille de présenter cette super-héroïne en la mettant en avant parce que le but, c'était de me la vendre puisque je suis directrice d'édition et que je recherche un nouveau personnage pour mes lecteurs. Donc la grille d'évaluation, les élèves avaient la grille et ainsi ils vont pouvoir voir ce qui était bien ou pas par rapport à leur prestation orale. All right, girls. So I'm the manageress of the Thomas Editions and I want you to convince me for your superhero, right? Okay, let's start. The real name of my superheroine is Ashley Lane, a name in superheroine is Jess Newman. It is billionaire and is direction of a large company. She is an orphan and has a doctor. She is Batman's girlfriend. She wears paper wing, a green mask, a grey and green top. She wears a short steel box white two color. She has no gadget because this power is natural. His power is to manipulate the element earth, air, fire, and water. This is flow. This is his two big sensibility and to focus to kingly people. These enemies are Candy Woman and Batman. She is prettiest, she is strongest, she is most wonderful. Alright. Thank you. Aujourd'hui, donc, les élèves m'ont présenté leur super-héroïne et lors de cette activité, cette tâche finale, évaluation orale en continu, je les ai enregistrées avec la tablette sur le site SoundCloud.